Aujourd'hui, à me demander de refaire une vidéo lunchbox. Alors, vu que vos désirs sont des ordres, aujourd'hui, on fait deux sortes de Pokéballs. Les fameux Pokéballs qui ont totalement takeover Instagram et Pinterest. Classique hawaïen, en fait. Mais moi, je vais faire une espèce de version à l'asiatique avec du riz de sushi. Mais vous pouvez mettre n'importe quoi dans vos bols. C'est ça qui est le fun. Vous pouvez mettre du quinoa, vous pouvez mettre du riz brun. Laissez-vous aller. Je pense qu'il y a juste des côtés positifs à manger des Pokéballs, genre ça vous en prend dans votre vie. C'est facile à faire, c'est bon pour la santé, puis en plus, c'est rapide parce que Dieu sait que personne n'a le temps de faire des lunchs complexes. Donc, j'ai pris du thon et j'ai aussi du saumon. Pour le thon, j'ai pris du thon qui est éco-responsable, donc pas du bluefin tuna. C'est quand même important de le mentionner, qu'on essaye de pas manger des animaux en voie d'extinction. Hein? Logique. Et j'ai aussi du saumon d'élevage sockeye, qui est super bon aussi pour l'environnement. Je tenais à le préciser, parce que c'est important pour moi. Première étape, on va les faire mariner, donc avec de la sauce soya, les deux. Marinade minute. Avec de l'huile de sésame. Dans le premier, je vais mettre du gingembre. Dans celui au saumon, je vais mettre du sirop d'érable. Puis on va les laisser mariner jusqu'à temps qu'on soit à veille de les mettre dans nos lunchbox. Je me suis trouvé ça. C'est des petits... on dirait que c'est fait pour mettre du poké dedans. C'est genre des poké lunchbox. J'ai pris du riz à sushi, donc du riz collant. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez prendre n'importe quel riz vraiment. Je vais vous mettre la recette du riz sushi dans la barre d'œufs. Bien tapisser. Et après ça, on peut commencer à le garnir. Encore une fois, je sais que je suis fatiguée avec ça, mais vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi. Vous pouvez faire exactement la même chose que moi. Je vais vous forcer. Bon. Dans le premier, je vais mettre des concombres coupés sur le long. Saviez-vous que, en plus de pouvoir me faire des suggestions de vidéos, vous pouvez aussi me demander n'importe quelle recette que ça vous tente sur la page Facebook de Mange-moi. Parce que je suis nice. Avocat. Essentiel dans ma tête quand je fais un pokeball. En fait, vu que je fais un pokeball comme à l'asiatique, c'est comme si je faisais un gros sushi. Et les sushis seraient quoi sans avocat? Pas grand chose. Oignon vert pour donner un petit kick.
des fèves édamamées. Ça, c'est vraiment pas obligatoire, mais c'est tellement bon pour eux. Je sais pas pourquoi je mange pas tout le temps ça, genre. À date, c'est pas mal vert tout ça. Mais ça va. Vous allez boire. Vous allez boire. Tenez, les mouilles, le vert, ça respire la santé. Hein. C'est ce qu'on veut dans la vie, non? Oui, oui. Donc, pour celle avec le thon, on va faire des suprêmes d'orange parce que thon rouge et orange, avec en plus la sauce soya, c'est vraiment un mix made in heaven. Les radis en filtrage. Aussi pour ajouter un. Wouah! C'est bon, hein? Dessus. Puis tu topes ça avec des graines de sésame. Puis un peu de mayo épicé. Et voilà. Fait qu'on s'entend que le jour que t'apportes ça à l'école dans ton lunch, genre tout le monde taille parce que t'as des lunch ben trop nice. Fait que si tu veux plus de lunch ben trop nice, ben tu peux me le dire dans les commentaires. Et abonne-toi, parce que je fais des lunchs quand même vraiment nice.